1, 2, 3, ça marche. Ça marche. Aura. Apparemment, je ne peux pas exprimer mes émotions correctement, ce n'est pas grave. Passons maintenant au projet NXT, Segway. Je suis sûr que vous avez déjà croisé ces prototypes à deux roues. Si ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer ce que c'est. Le Segway PT, ou Segway TP, pour transporteur personnel Segway, est un gyropode, c'est-à-dire un véhicule électrique monoplace, constitué d'une plateforme munie de deux roues parallèles sur laquelle l'utilisateur se tient debout, et d'un système de stabilisation gyroscopique et d'un manche de maintien et de conduite. Malheureusement, mon NXT 2.0 n'est pas muni de capteur gyroscopique, mais le projet de NXT Programme n'utilise pas ce capteur. Car le capteur de couleur et de luminosité fait l'affaire. Ici, on utilise la brique, bien sûr. Trois moteurs. Un capteur de couleur et luminosité. Mais le capteur d'ultrason fait office de tête au cycliste juste pour faire beau. Le robot se compose d'une plateforme munie de deux roues parallèles et d'un cycliste. J'ai commencé le programme, mais tout à coup. Puis j'ai finalement compris que la lumière extérieure perturbe le robot. Je l'ai mis à l'ombre. Le même résultat. Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Je n'aurais jamais dû faire ça. Et j'ai compris qu'avec du calme et de la patience, on réussit toujours. Le programme Segway utilise une stratégie appelée PID Controller pour équilibrer le robot. Ce type de stratégie de contrôle peut être utilisé dans plusieurs autres applications de la robotique. Le PID Controller, appelé aussi correcteur PID, est un système de contrôle permettant d'améliorer les performances d'un asservissement, c'est-à-dire un système ou procédé en boucle fermée. Le robot va donc exécuter son programme en boucle, le capteur de couleur détecte le taux de luminosité et ensuite le robot penche vers l'avant ou l'arrière. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ma voix vous a plu, comme ça, je l'utiliserai dans mes prochaines vidéos. Au revoir.